Salut tout le monde, c'est Piotr pour Planet Warhammer Gaming et aujourd'hui on commence un tout nouveau let's play sur Amnesia Machine for Pigs qui vient de sortir. Donc ça va être un peu un let's play dans la continuation d'Outlast parce qu'en fait il s'agit d'un jeu d'horreur à la première personne. C'est fait par les mêmes créateurs que Amnesia The Dark Descent et Darkester, donc deux gros jeux très connus, surtout le dernier Amnesia qui avait fait un hit parade. Donc le jeu se passe en 1899. On prend le contrôle d'un riche industriel qui s'appelle Oswald Mundus, qui a perdu la mémoire et qui se réveille avec une forte fièvre dans son lit. Sur ce, je propose qu'on commence. Merci à tous ceux qui laissent des likes pour les premières vidéos, surtout c'est très important, ça nous aide beaucoup. Et si vous êtes nouveau, bienvenue. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner ou à aller voir les autres let's play qu'on fait en ce moment, ou qu'on a fait, ou qu'on a fini, ou qu'on est en train de finir. Bref, allons-y. Juste avant, je vais vérifier un truc. Donc on est en 1080p pour ceux qui... Ah, j'aimerais bien mettre le jeu en français. Il va falloir que je restart. Et ben alors, c'est quoi? C'est parti pour le restart. Yeah, on a le jeu en français. Parfait, c'est parti. Bon, j'espère que le jeu va être fluide. Sinon, je baisserai la qualité. Celui qui fait une bête de lui-même se débarrasse de la douleur d'être un humain. Daddy. Daddy. Please don't kill me. Amnesia. Bon, je parle pas trop parce que j'essaye de vous laisser rentrer dans l'atmosphère. Voilà, j'ai le contrôle de mon personnage. Ok. Alors. Comment ça, voilà. On a enfin une vue normale. Donc on est dans une sorte de chambre, j'ai l'impression. Là, il y a notre lit. C'est vraiment style 19e siècle, effectivement. Enfin, fin 19e siècle. On va commencer par lire ça. Je sais pas si je vais tout lire. Je vais commencer, on va voir. 24 juin 1899. Dans mes rêves, je vois un homme, vêtu de peau de jaguar et empenné tel un singe sanglanté.
ce qui est venu du cœur nous a lubrifiés, a écrasé le mal sous ses pas et nous a tous libérés. La chaleur fétide de la jungle se reflétait quelque part devant moi. Mes trempes battent, le sang bouillonne dans ma tête. C'est comme s'il y avait quelque chose de vivant. Un rat, un sale rat courant dans mon cerveau, dévorant tout pour en sortir. Même l'andanum ne réussira pas à calmer son insatiable faim. J'entends mes enfants jouer dans le grenier. Une vision d'horreur plus que d'amour. Que sont ces pensées désespérées? Alors, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'il est censé avoir deux fils et sa femme, et tous seraient morts. Alors ça, c'est un peu comme dans Amnesia The Dark Descent. Ok, donc on peut prendre, hop, du contrôle des objets. Ça, ça ressemble beaucoup à l'ancien Amnesia. Donc j'ai pas joué à l'ancien Amnesia The Dark Descent, mais j'ai vu pas mal de vidéos dessus. Donc on peut dire que je connais pas mal. I held your hand and watched the blood pool between your legs. You lived long enough to see Edwin, but not Enoch. I will take care of them, my love. I promise you this. Ok, sa femme serait morte en couche. C'est ce que je comprends. Ah, une tête de cochon. Ok. Belle horloge. On peut ouvrir du placard, non? Une autre tête et une autre chaise. Va te faire foutre. Boum. Ok. Pas commencer à faire du bordel dès le début. On va essayer d'avancer. Ok, il y a des sons qui sont censés me faire rappeler ma mémoire. On va voir ce qu'il y a en haut. Donc d'après les premières critiques, le jeu serait moins bien qu'Amnesia The Dark Descent. Donc ça c'est... Moi je préfère faire mon propre... Ok. Je préfère faire mes propres critiques personnellement. Mais... Oh non, j'aime pas les trappes. C'est un cochon mort. Encore une tête de cochon. Une note a été ajoutée au journal. Pour accéder rapidement à vos notes, plusieurs M, n'hésitez pas à les consulter lorsque vous êtes bloqué. Grenier et chambre d'enfant. Mais ils dormaient dans le grenier quand ils étaient bébés. Peut-être qu'ils sont... S'y sont-ils cachés aujourd'hui? Je me souviens de m'être attardé sur cette idée. À mi-chemin entre ma chambre et mon bureau. Ok. Un rêve fiévreux. Je me réveille seul dans une maison silencieuse. L'absence de voix d'enfant me fait l'effet d'un tombeau obscur et fécond qui m'incite à entamer une descente dans les entrailles de la terre. Là où l'on trouve, ne trouve probablement que des cadavres. Mais qu'importe, mes enfants m'appellent. Je dois leur répondre. Je dois les trouver. Ok, donc il a l'air vraiment omnibulé par ses enfants. There's a bad man coming. Un méchant arrive. Ah, j'ai cru voir quelqu'un passer là-bas. Ah, yes. Oh putain, j'ai juste des enfants aussi. On a récupéré la lanterne. Ok. Je commence à avoir des visions.
J'espère que vous voyez ce que je vois. Normalement, la luminosité devrait être bonne. Je peux sauter. Ouais, c'est pas comme dans Outlast. Il est pas très très mobile. Des outils. Rien de normal dans un. Oh, un peu. Une peluche. Et une note. Journal d'Edwin et Enoch. Papa dit qu'on ne fêtera pas Noël cette année, il est débordé. Anne nous dit qu'il ne faut pas le déranger, il est trop occupé. Il est parti travailler avant qu'elle ne nous réveille et souvent on dort déjà quand il rentre. On a trouvé un oiseau blessé dans le jardin. On l'a donné à la nounou qui a dit que c'était sale avant de le tuer avec un rouleau à pâtisserie. Plus tard, on est descendu lorsque tout le monde dormait pour l'enterrer. Il y avait un cochon dans le jardin, on l'entendit renifler. Puis papa y est arrivé pour nous demander de rentrer immédiatement. Il était en colère, mais on aurait dit qu'il avait encore pleuré. Que... Moi j'aimerais bien prendre le nounours. Ouais, nounours. Protège-moi. Ah. Je sais aller où maintenant. Ah, il y a les persos qui bougent tout seul. Ok. Stressant. Où dois-je aller? Peut-être que maintenant je peux redescendre. Les portes vont s'ouvrir. J'aime bien un ours qui vole devant moi. J'ai l'impression que ça me protège. Merde, c'est toujours fermé en fait. Les ours. J'ai regardé ce qu'il y avait ici. Putain, mais tout est fermé. Bon, faut bien passer par en haut. Ah, j'ai l'impression que c'est par là. Allons-y. Non. Bah, où est-ce qu'on pourrait passer? Je vais trouver. Ah, c'est là, ok. Allons chercher une ours. J'aime pas la petite musique de la berceuse. C'est ultra creepy. Plus un nounours, c'est assez moche. On dirait qu'il est presque ensanglanté. Protège-moi. Oh. Vu. Yeah. Nounours. Pousse la boîte. Merc. Merde. Ouais, nounours, tu gênes maintenant. Eh. Voilà. Ah, c'est trop lourd pour que... passer par-dessus. Nounours. Ok. Pouillou, pouillou. Ok, les berceaux vont arrêter de bouger tout seul. Tiens.
Je vais le laisser avec son compatriote. Ah, non, j'ai cru que c'était un objet. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de problème de lanterne. Impression. Pas comme dans The Dark Descent où on doit utiliser de l'huile toutes les 5 secondes. La Bible. Prendre la Bible ou pas? Nyark, faut croire que non. Qu'est-ce que je peux prendre alors? Ok, donc ça c'est une chambre. On va avancer. Ça c'est des bêtes de portes hein, chez eux. Ils foutent pas du monde. Oui, papa arrive. Vous avez vu ces... Regardez-moi ce tableau. Tête de cochon. You don't mind if I record this, do you? I find it most useful. Ah, you have one of those wonderful to Martinvilles. No, of course not, my dear fellow. It's my own design, Professor, along with everything you see. Most useful. You understand, of course, where the Ministry sent me. That they have... concerns. Ok. Bon. Bon, moi je suis plutôt un youtubeur qui aime bien rentrer à fond dans le scénario, donc je vais vous faire écouter tous les trucs, vous lire la plupart des messages s'ils sont pas trop longs. Donc j'espère que ça vous plaît. De toute façon, si vous... Oh putain. Ok. Ok, on se calme. J'ai l'impression que le plafond va me tomber dessus. Oh. Prends le fusil vite, vite, vite. Oh putain. Pourquoi on peut jamais faire les bons gestes dans les jeux vidéo? Pousse. Je peux le faire. Pour l'instant, ça se fait pas trop peur. Précieux fruit de cactus, hein, évidemment. C'est mon petit surnom, j'aime bien qu'on m'appelle comme ça. Bizarre leur lampe. Déplacer la souris. Ok. Ah. Note. 7 novembre 1898. La banque refuse le crédit. Quelle ignominie. Ignominie. Une fois les enfants et les serviteurs endormis, je me mets à pleurer. Ma chérie, j'ai tellement besoin de toi. Ils disent que j'ai dilapidé ma fortune, que l'argent que j'ai investi dans ces machines a sali le nom de la famille, que j'aurais mieux fait de rester simple boucher. Que sont ces deux bras comparés aux multiples bras qu'il est possible d'utiliser sans les payer, sans les épuiser, en adaptant les mécanismes trouvés chez les tisserands et les meuniers. Si la banque refuse, tout cela n'aura servi à rien. S'ils saisissent la maison, je jure de les tuer, de tous les tuer. Je prendrai mon fusil. Mon fusil. Alors, en parlant de fusil, prends-le ton fusil. T'en as trois différents. Trois mêmes. Je sais pas très bien. Je crois que c'est les trois mêmes, mais pas les mêmes dimensions. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. C'est là où tu caches l'alcool quand tu fais genre que tu travailles. Pas mal. Ok. C'est bien les chevaux, hein. Ah, une note. Mon journal. Les salles des larmes. Là où nous asseyions autrefois pour pleurer la mort de Lily sous les armes qui ne peuvent pas tuer les anges pour la ramener du paradis. Examine les peintures, Oswald. Là où tu la regardais, j'ai dit se plonger. Les enfants ont dû découvrir cet endroit secret et y trouver refuge. Alors, faut examiner les peintures. Euh...
Attendez. Juste être sûr de ce qu'il dit. Examine les peintures, là où tu regardais. Tu l'as regardé jadis se plonger. Bon, c'est dans l'autre salle où il y a beaucoup de peintures, allons voir. Ah, c'est fermé maintenant, gars. Donc c'est par là. Il y a une peinture ici. Je vois rien de spécial. Il y a une peinture là. Rien de spécial non plus. Je vous conseille de mettre aussi des... un casque audio ou des écouteurs. C'est beaucoup beaucoup plus stressant. Sinon vous entendez pas tous les petits bruits. Tous les petits effets sonores. J'examine la peinture et je suis censé trouver quoi. Ah, non, il n'y a pas quelque chose là. Pas très clair. Hein. Logiquement, il parle des armes, donc ça devrait être ici. Ah. J'ai l'air d'avoir actionné quelque chose. Protège-moi. Oh. C'est dans cette chaise. Maintenant. Sur quoi? Il y a un monstre qui va apparaître, je sens. Faut que je ressorte, c'est ça? Ah. Ah. C'est bloqué, donc. Il y a un autre truc actionné. Ah, ok. Ah, les voilà. Un levier, on le descend, c'est logique. Je sens le jumpscare bientôt. Ah, il y a tête de cochon. Oh oh, il commence à stresser là. This age of reason, an empire grown fat, ripe for the bleeding. Ok. Des photos de bébé, photos assez stressantes. Des photos de femmes à poil. C'est l'endroit où ils se masturbent ou quoi? Ah, un autre levier. J'aime les leviers. Ça ouvre une porte. Et encore un casque de cochon. Je crois qu'on va se faire attaquer par un cochon géant en fait. On peut refermer. Hop. Donc voilà dans une autre partie. Oh, les tremblements commencent. Est-ce que ce serait cette étrange machine dont tu parles? En hommage à Lily, un banquet. Nous fixerons la grande bouche au-dessus de la cheminée, inhalerons le monde, nous aspirons les fées et les absurdités de votre cœur malade. Ok, nous voilà dans une autre région, et on peut pas retourner en arrière. C'est un énorme manoir qu'il a le mec. Pour courir, oh. Ça présage rien de bon courir. This way, Papa. Come and see.
faire des vidéos d'une demi-heure, parce que sinon c'est trop long à éditer et à mettre en ligne. Et je trouve ça déjà pas mal par rapport à certains youtubeurs. Donc, tout soutien est apprécié, like et tout ça, commentaire, un petit commentaire, etc. Journal d'Edwin. Papa ne veut plus qu'on joue avec les animaux. On jouait à cache-cache avec Coq. Quand il est venu nous gronder alors qu'on allait se cacher derrière Monsieur Grincheux. Coq a dit que c'est à cause des fusils qu'ils y trouvent, mais il nous a toujours laissé le faire briller, alors ce ne peut pas être ça. De toute façon, cette pièce est hantée. La nuit, on entend des fantômes. On dirait qu'ils sont souvent en colère. C'est sûrement pour ça qu'on les entend traîner leurs chaînes, claquer les portes et ce genre de choses. En tout cas, on n'aime pas cet endroit. Ok. Bon bah on va descendre. Oh putain. Ah, j'ai cru que la porte s'ouvrait. Grand hall. Cette voix au téléphone. Elle me parle comme si elle me connaissait et, en effet, elle me semble la connaître. Comme des jumeaux séparés à la naissance, j'ai l'impression que nous sommes liés, sans savoir comment. Je me noie en essayant de rejoindre la surface dans ma propre maison. Je sais que sous mes pieds, dans l'obscurité, se cachent de splendides architectures. Si seulement je pouvais trouver les entrées. Ok, alors on veut aller vers le bas. Pourquoi dans les jeux d'horreur, on veut toujours aller vers le bas ? Ce soit que dans Outlast. I must say, my dear man, you look awful. Yes, I seem to have picked up something rather nasty in metal. I do understand what you've been through. A lesser man would have crumbled. Yet you have made all of this. Your great factory, your charities. It is a wonder for one man alone. It will all be made clear, Professor. But first, a drink. Un peu jouer au billard, c'est énorme. Yeah. S'il se passe quelque chose si je mets toutes les boules. Blurp. 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 Oh putain. C'est mieux de jouer qu'une batte. Hein. Oh. C'était joli ça. Brûle. Ok, donc là la porte est ouverte, on va aller voir ce qu'il y a en face. Il y a un tableau par terre. Ok. Ah, c'est le banquet. Ok, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un flash. Je sais pas par où aller du coup. On va plutôt aller par là. Ah, on peut même pas jouer le piano. Ce jeu est pourri. C'est pas possible, on peut pas jouer du piano. 0 sur 10. Alors... Ok, donc ça c'est la salle de banquet. J'ai pas très bien compris à quel honneur il faisait un bouquet. Porte ouverte ici, entre ouverte, on va dire. J'ai peur de laisser passer quelque chose en face. Je vais aller vérifier quand même. Encore cette peinture, ils ont utilisé 36 000 fois la même peinture. Ah, ok, on retourne dans le même couloir. Mandus, do you know me? Who are you? Where are my children? Trapped, Mandus. Far below us. The machine is fouled. It is breached. It is flooded. The bulkheads are down. The children are engaged. If you help me, I can help you release them. Restore the power, Mandus. Drain the flooding and restart the great engines. How? Where should I go? Hello? Hello?
faut croire qu'on a un objectif. Redémarrer le courant, enlever Pompello et enfin redémarrer les grandes machines. Tellement d'endroits où aller. Ouh, c'est stressant ça. Bonjour. Bonjour monsieur Hippopotame. Bonjour monsieur l'ours. Grizzly. Oh, on peut le toucher. Oh, picture. J'ai une note. Des ours à la baignoire. Après la fête, elle m'a pris par le bras et m'a demandé « Dites-moi, chérie, comment avez-vous fait pour quitter la salle des trophées et rejoindre la salle de bain des invités aussi vite ?»« Tout le monde vous prend pour un magicien, ma chère Lilibet. La maison de mon père abrite de nombreuses pièces. Quant à la mienne, eh bien, elle a aussi ses chambres secrètes. » Il y aurait une chambre secrète par là. Oh, une araignée. Ah. Je sais pas comment on dit en français ça. Bref. Un aigle, j'ai l'impression. Encore cette photo de cochon. Est-ce que ce serait pas un passage secret ça? Une armoire au milieu. De bouger les hein. Photos de famille. Ah, j'ai pas vu. Attends, des feux d'artifice, j'ai l'impression. C'est assez troublant. Il y aurait une pièce secrète pas loin d'ici. Ah, on peut le pousser. Ah, ok, c'est sûr, c'est par là qu'on doit aller. Plein de papillons. Je vais aller vérifier les autres salles en attendant. Ici c'est fermé. De toute façon je crois que ce sera pour la prochaine partie le reste. On peut pas aller par là. On peut aller par là. C'est fermé. On va pas faire des courants d'air, hein. On va fermer. Ouais, bah y'a pas d'autre endroit où aller. Ok, c'est parti. Par contre, je pense que c'est la fin de la vidéo. On va voir ça vite fait. On commence à avoir des machines. Là, il y a une vanne. 2 0. Va te faire foutre. Attends, des bruits de respiration. De renifle. Qui c'est qui renifle? Des plans, encore des machines. Oh putain, j'ai stressé là. J'ai cru que c'était quelqu'un. Ça va activer quelque chose. Oh putain. Ouais, je crois qu'on va finir la vidéo ici. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est une très bonne idée. Ouais, on va arrêter la vidéo ici. Bon bah merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir avec tout ce que vous pouvez. Que ce soit par des likes, des commentaires ou juste en regardant la suite des vidéos. Et on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Et je pense que l'horreur va commencer
Déjà, je suis assez angoissé là, mais là, je sens que ça va faire mal les prochaines parties. Sur ce, on se voit la prochaine fois. À plus.